Bonjour et bienvenue, on va parler d'un fixe pour Starfield. Donc c'est un bug qui est en train de courir depuis quelques semaines et de plus en plus de monde en fait ont ce petit problème. Donc en gros, ce que fait le bug, alors je dois dire qu'il ne casse pas l'histoire principale ou quoi que ce soit, vous pouvez finir le jeu autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de problème de ce côté là, mais ça va créer des petits problèmes. Donc par exemple, en gros, vous avez deux gros problèmes avec ce bug là, c'est que les vaisseaux en fait qui vont atterrir après vous sur une planète ou sur une lune, peu importe, en fait ils vont rester tout simplement fermés et personne va être autour, ils vont pas s'ouvrir et tout ça, vous aurez personne en fait qui sort, et, etc. Donc ils resteront complètement fermés et ça vous pouvez pas rien y faire, vous pouvez strictement rien y faire. Et le deuxième problème que ce bug crée, c'est que quand vous combattez donc dans l'espace des ennemis et vous allez par exemple détruire leurs réacteurs et les aborder, donc ce sont des ennemis en fait actifs, hein, bien sûr, vous les combattez, hein, donc il y a vraiment des gens dedans en théorie. Et quand vous allez en fait dans ce vaisseau là que vous abordez, eh ben, il n'y a strictement personne. Et il n'y a pas non plus la petite mission secondaire en disant tuez tout le monde ou alors revenez sur votre vaisseau par exemple, quand vous volez un vaisseau. Alors les gens ont essayé de trouver pourquoi ce bug était créé, parce qu'en gros c'est une sorte de script en fait qui casse, hein, dans le jeu. Mais il n'y a pas vraiment d'explication pour le moment. On ne sait pas vraiment d'où vient exactement le bug. Genre, qu'est-ce qui va vraiment créer ce bug-là et pousser le jeu en fait à casser de ce côté-là. Encore une fois, à ma connaissance, donc ça va pas casser, ce bug-là ne va pas casser l'histoire principale. Par contre, il y a une quête et à ma connaissance, encore une fois, il y a seulement une quête qui casse et qui est impossible en fait à compléter. C'est la mission Fantassin qui vient du système en fait Altair ou alors Ground Pounder en anglais. Et beaucoup de gens en fait se sont plaints de ça. Alors déjà, cette mission a l'air d'être un peu bancale. C'est sûrement la mission la plus buggée ou voire même la seule qui est vraiment très 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 buggée. Elle peut casser en fait à différents endroits, mais si tout se passe bien en fait, en gros comme moi, et si vous avez ce bug, cette mission ne peut pas être complétée. Pourquoi ? Parce qu'à des moments en fait, il y a des vaisseaux qui vont atterrir sur la planète quand vous défendez en fait l'avant-poste, et ces vaisseaux doivent s'ouvrir et larguer du coup des gens que vous allez devoir combattre pour finir la mission. Et ce qui se passe avec ce bug là, c'est que bien sûr le premier vaisseau en fait atterrit et ne s'ouvre jamais, tout simplement. Vous pouvez partir, revenir et tout, etc. Il ne s'ouvrira jamais. Donc j'ai essayé ce fixe et le vaisseau s'est ouvert, a largué les gens, le deuxième vaisseau est arrivé, s'est posé, s'est ouvert et a largué les gens et j'ai pu finir la mission. Donc tout fonctionne. Et après, quand j'ai vu en poste, les gens aussi ont reporté que ça fixait aussi les problèmes avec les vaisseaux aléatoires qui se posaient près de vous. Ou même quand ils abordaient en fait des vaisseaux ennemis, il y avait des gens à l'intérieur. Donc en théorie, normalement, tout est fixé grâce à ce, entre parenthèses, mod. Alors pourquoi je dis mode entre parenthèses, c'est que c'est plutôt une commande en fait. Donc si vous allez sur la page encore une fois, donc vous avez là l'explication du modeur. En gros, le résumé que je viens de vous faire, vous prenez le fichier, vous le téléchargez, vous faites manual download, attention, n'utilisez pas le Vortex, utilisez le manuel. Et vous allez avoir un fichier rare et à l'intérieur vous allez devoir le dézipper et vous allez avoir bug fix. Donc vous le mettez où il y a votre starfield.exe, donc ici, donc vous avez bug fix ici. Et la contenance de ce fichier texte, c'est ça. Donc Reset Quest 2, C0FD9 et 98B4E. Donc vous avez ça, tout simplement. Et apparemment, Reset, en fait, ces deux quêtes, va corriger ce bug-là. Maintenant, nous allons passer en jeu. Donc vous allez ouvrir la commande et écrire BAT, donc BAT plus loin bug fix, et presser Entrée. Et vous allez donner, en gros, l'ordre au jeu d'utiliser ce fichier texte que vous venez de télécharger et ça va reset ces deux quêtes et du coup ça va corriger votre bug. Maintenant on va continuer donc cette mission de Fantassin ou Ground Pounder en anglais encore une fois et vous allez voir que les vaisseaux en fait vont atterrir, s'ouvrir, larguer les gens, etc. Je vais pouvoir tuer tout le monde et bien sûr finir la quête. Donc ça a bien fixé le problème que j'ai depuis à peu près 3 semaines. Ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Si jamais vous connaissez des gens avec ce problème là ou des forums, partagez la vidéo bien sûr et partagez surtout le mode de la personne. Et bien sûr, tous les liens importants seront dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao !